je vais chez mon couturier. On a un mariage ce week-end. Loulou, il a déjà commencé à essayer sa tenue. Je vais vous montrer ça. Donc là, on est chez le couturier. Voilà, c'est la sa veste. Pour le 22, restez branchés. Voilà, ça, c'est mon couturier qui fait ça. Très joli. Très joli. Ça va avec la taille, vraiment. Ah ouais, non, t'as bien fait. Bon, bravo. Merci beaucoup, Jean. Bonjour, chef, ça va et vous? Ça va. Donc ça, c'est le kimono de Loulou. Sa jolie veste. Est-ce qu'il était là, le... Moi, j'ai la même, mais sous une autre forme. Il était là. Et ça, c'est le boubou que mon beau-frère il fait. Il a laissé les trucs. Bon, il a laissé. Moi, il passe quoi, même de vraiment toujours. Donc là, j'essaie mon kimono. Je suis accordée avec Loulou. Et moi, c'est le modèle féminin. Donc là. On a récupéré nos tenues pour la dot du 22. Franchement, le couturier, il est vraiment top. Je l'ai découvert par hasard et vraiment, il fait du très très bon boulot. Il l'a fait du coup pour moi, pour Jordan et pour Ninouche. Et la veste de Ninouche, elle est comme la nôtre. Elle est tellement mignonne. J'ai hâte de la lui faire essayer et de voir le rendu final. Donc voilà, donc là, on s'en va au concert. Dommage à bout. Content. On a eu un week-end assez chargé quand même. Du coup là on est arrivé au casino de Paris. Ça commence à 17h. Là il est 15h31, donc on va faire un petit somme dans la voiture. Bon, lui il a déjà commencé. On va faire un petit somme pour être en forme pour tout à l'heure. Bon, bye. On s'est réveillé de notre sieste. Franchement, dormir ça fait vraiment du bien, ne serait-ce que. On a dormi quoi, 45 minutes, franchement, ça nous a bien requinqué. Donc là, on marche dans les rues de Paris. Prête pour le concert, je suis tellement contente. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai suivi l'émission du début jusqu'à la fin. Du coup, voir leur évolution, ça fait vraiment plaisir parce qu'on les connaissait pas il y a de cela un an et demi, il me semble. Et là, ils vont quand même faire un événement en plein Paris, donc vraiment... Je suis trop contente, merci à Loulou. Même si lui s'en fiche un peu, mais bon, c'est pas
concert de Majabou est terminé. Il a fini assez tard, mais franchement, c'était trop, trop bien. On s'est hyper bien amusé, on a passé un bon moment. Là, on se dépêche, on va aller chercher notre fille chez ma grande soeur, puisqu'il est exactement 22h50. On devait déjà être rentré il y a au moins 2 heures. Voilà. En tout cas, Majabou, c'était le feu du feu. C'est encore moi. Aujourd'hui, on est... Nous sommes samedi. Samedi. Donc, réveil assez compliqué. J'ai dormi à 00h30, il me semble. J'ai travaillé. Je vous dis, ces temps-ci, le boulot me prend énormément de temps. Il y a énormément de taf, ce qui fait que je ne peux pas tout faire en une journée. Et là, on a des impératifs par rapport aux fins de période de paye, ce genre de choses. Donc, j'ai pas le choix, si je peux dire ça comme ça. Parce que si je le fais pas, je prends du retard sur les autres jours et c'est un cercle infernal. Du coup, hier, j'ai bossé jusqu'à minuit. Je vous dis la fatigue. Bref. Donc, j'ai quand même bien dormi. Je me suis réveillée tôt. C'est Lou qui s'est occupé de la petite cette nuit, comme d'habitude. Chaque week-end, ça se passe comme ça. Du coup, là, on est parti accompagner Loulou chercher son costume. On est à Paris, à République, il me semble. On est parti l'accompagner chercher son costume pour le mariage du 28. Ensuite, on va aller au centre commercial parce que j'ai besoin de me trouver. Je crois que c'est ça s'appelle bralette, vous savez, les soutiens-gorge avec qui font comme ça là. Vous voyez, non? Voilà, parce que par rapport à la tenue que je vais porter ce soir, j'ai besoin justement de ce genre de soutien-gorge. Donc, on va chercher ça. Après, on rentre à la maison. Je fais le ménage parce que c'est le bordel. Après, on se prépare. Et on y va. Bon, là je suis avec Minouche dans la voiture. Voilà, on attend. On attend Loulou. Puis voilà. Donc on est venu au centre commercial au Paris Nord pour chercher mon truc qui bralette, brassière ou je ne sais quoi. J'espère que je vais le trouver à Undies ou Primark ou H&M, je pense. Et s'il n'y a pas, bah on ira dans un autre centre commercial. Bon, où elle est ma petite amie là? Ma petite famille. Papa Abana. Oh, baby, man.